jour, Koro. Hé, hey, tu ne me souhaites même pas la bienvenue. D'accord, ce n'est pas grave. Je peux le faire moi-même. Comme je me sens chez moi. Koro, ne me regarde pas comme si je viens d'une autre planète. Tenemba, qu'est-ce que tu me veux encore? Je te veux que du bien. Et toi, es-tu sûre de me vouloir du bien? Et si tu me disais concrètement ce que tu veux? Bon, je veux tout simplement que tu partages ton bonheur avec ma sœur. Quelle sœur? Hey, si tu as besoin de l'argent, dis-moi le montant, je te paye et disons-nous adieu. Tu m'as pas compris. Je ne cherche pas de l'argent. Je veux tout simplement que tu demandes à ton mari d'épouser ma sœur comme quatrième femme. Tenemba, tu es sûr que ça va? Tu es normal? Et pourquoi devais-je faire une chose pareille? Parce que la loi et la religion autorisent ton mari de prendre quatre femmes. Et ma sœur n'a pas de mari. Hey, si ta sœur n'a pas de mari, je m'en fous. C'est pas mon problème. Et qui te dit que mon mari a besoin d'une quatrième épouse? Mon sixième sens, mon petit doigt me dit que tu peux nous aider à le faire changer d'avis. Et pourquoi moi? Parce que nous avons un petit secret et nous n'avons pas intérêt à ce que les gens le sachent. N'est-ce pas, Koro? Vraiment, Tenemba, ce que tu me demandes est diabolique. Hein? Et ce que tes voleurs, tes bandits, tes coupeurs de poignets ont fait n'est pas diabolique. Pour ton information, ils sont en prison. À bientôt, ma chérie. L'objet de cette rencontre, c'est pour préparer les élections. Nous sommes dans un pays pauvre où l'entraide et la solidarité aident beaucoup de gens à mieux vivre. C'est pour cette raison que je vous demande de voter pour Fatou. Kessra a raison. Fatou a aidé beaucoup d'entre nous en difficulté. Elle le fera mieux si nous votons pour elle. Donc, votons toutes pour Fatou, pour avoir une femme mère dans notre commune. Qui veut parler? Nous vous remercions beaucoup pour cette initiative. C'est une très bonne chose. Nous vous soutenons. Qui d'autre? En tout cas, nous allons suivre celle qui pourra défendre nos intérêts. Alors, ensemble pour les élections. Ladji, dis-moi, crois-tu aux rêves? Quelle question, qui ne croit pas aux rêves? Le rêve fait partie de la vie des hommes. Il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves annonciateurs. Il y a toutes sortes de rêves là. Donc, penses-tu que nous devrions croire et faire tout ce que nous voyons en rêve? Bon, attends, Koro, tu sais? Si tu arrêtais de tourner autour du pot pour me dire ce que tu as réellement dans le ventre. Bon. J'ai rêvé que tu as pris une quatrième épouse. Ça peut arriver. Mais c'est pas dans mes projets immédiats quand même. Donc,
Dis-moi le nom de cette femme. Hein, quelle femme? Mais celle que tu épouseras bientôt, Fana l'a dit. Mais Kuro, qui t'a parlé d'une quatrième épouse? Est-ce que je t'ai dit que je veux prendre une quatrième épouse? C'est le fruit de ton imagination, hein? Je ne veux pas prendre de femme. Ladi, le fruit de mon imagination sera ta quatrième épouse. Je te la présenterai demain. Ah bon? Oui. Aïe, non, si toi tu me présentes une femme, je l'épouse les yeux fermés. Et elle sortira de la chambre nuptiale avec un ventre aussi gros que ça. Hey, ah, donc, mais... tu es pressé? Non, pas du tout. Mais de la manière dont toi tu m'aimes, si tu me présentes une femme pour que je la prenne en mariage, mais il n'y a pas de problème. Je sais que tu ne me veux que du bien. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, Ladi, heureux sont les hommes qui savent combler les désirs de leurs épouses. Ça va, ça va. Je connais la chanson. Et, leurs récompenses sont immenses et incommensurables dans leur intimité. Le chant là est trop vieux, je le connais. Ah. Toi aussi. Oh, quoi. J'ai un discours si rire que ça là. Avez-vous pensé aux conséquences? Mais quelles conséquences, Aïcha? Quelles conséquences si je t'aime? Regarde, vois tous les avantages que tu vas en tirer. Et puis, approche-toi. S'il vous plaît. Tu es sûr que tu auras de bonnes S'il vous plaît, pensez à mon avenir. Aïcha. Mais tes avenirs, tu les avais à main, je t'ai tout donné. Tu ne veux pas les prendre. Mais écoute, si tu m'as envoyé ici pour te moquer de moi, tu subiras le sort de toutes celles qui m'ont résisté, à qui j'ai brisé avec de mauvaises notes. Monsieur Kanté, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever. De vous lever. Me lever pourquoi? Sortez de chez moi. Sortez de chez toi? Oui. Aïcha, tu me chasses? Sortez de chez moi, où j'écris. Alors là, oublie l'école. Mais qu'est-ce que vous pouvez me faire? Mets une croix sur tes études. Et votre serment d'enseignant? Je te rendrai la vie impossible, invivable. Tu sauras que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous saurez aussi que toutes les filles ne sont pas les mêmes. Écoute, tu entendras de mes nouvelles. Mais c'est pas possible. Kanté, comment as-tu osé faire de pareilles choses? Comment as-tu... Es-tu tombé dans de pareilles situations? Et pourtant, je t'avais mis en garde. J'ai quitté cette fille-là. C'est le diable en personne. N'en veux pas à la fille. J'ai quitté. En veux à toi-même. Tu es le premier responsable de cette situation. Je te l'avais dit. Tu n'as pas voulu m'écouter. Et voilà. Je suis tombé dans son piège comme un petit gamin. Kanté, regarde un peu l'envergure de notre école. L'École nationale d'administration. Une école qui forme les plus hauts cadres de ce pays. Et votre serment d'enseignant, vous l'avez mis où? C'est une honte. Vous m'avez déçu. Kanté, tu n'es pas mon ami. Dans pareille situation, cherche plutôt à m'en sortir que de me mettre dedans. Avec cet aveu-là. Hein? Avec cet aveu, Kanté, si tu es chanceux, tu vas droit en prison. J'ai quitté. Dans le cas échéant. Mais je ne te reconnais plus. C'est la radiation pure et simple. C'est toi le juge maintenant. C'est pas question d'être juge. C'est toi qui me plonge maintenant. Je ne te plonge pas. Je suis dans une. Tu as été avisé. Mais tu n'as pas voulu écouter. Mais ce qui est fait maintenant, je suis dans un pétrin. Aide-moi plutôt à m'en sortir, Diakité. Et je ne peux pas t'aider à t'en sortir parce que tu n'as pas voulu écouter mes conseils. Diakité, c'est comme ça. Kanté. N'est-ce pas dans le malheur, on voit son vrai ami? Quand tu ouvres les portes de l'enfer, attends-toi aux flammes. Vraiment, cette fille-là. J'ai mis mon doigt dans mon propre œil. Cette fille-là, elle va soigner définitivement ton mal. Sois-en sûr. De pareilles situations ne vont plus se reproduire. Diakité. Tu n'es pas mon ami. Tu ne veux pas m'aider. Tu ne veux pas me faire sortir du pétrin dans lequel je suis. Alors quel est ton rôle? Si c'est pour m'enfoncer, alors je ne sais pas, je ne comprends plus. Ce n'est pas pour vous enfoncer. Mais ce que tu Mais dis, la pas droit. Elle est là. Elle est patente. Vous n'avez pas voulu. Non, 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 Diakité. Et quand on ne veut pas... Diakité, non, 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 non. C'est non. Ce que je t'avais dit la fois passée. Je ne te reconnais plus. C'est ce que je t'avais dit. Je ne te reconnais quand plus. Quand ça va pourrir là,
ça va se sentir. Bien sûr. Et voilà le résultat. Et qu'est-ce que toi tu fais? Absolument rien. Tu fais rien? Et je ne veux même pas comparaître comme témoin dans cette situation. Tu ne veux pas m'aider? Je ne pourrais pas vous aider dans cette situation, mon ami. Diakité? Non. Diakité? Non. Diakité? Non, et c'est non. Demain est là. Mamana bo benya ita de lanta ye alisio kola wili le jigire ma nimbali maya jamamana bo benya ita de lanta ye bonjour. Ma chérie, ça va? Grouben Faïda, ça fait longtemps. Avec toi, ça va? Et la famille? Oui, ça va. Tout le monde va bien? Sous Robé. Tout le monde. Les bonnes choses. Bon, ça va. Ça va quand même? On est là. Oui. Alice, la ville est à feu et à sang. Comment ça? Si tu es couché, assis-toi. Si tu es assise, lève-toi. Et si tu es déjà debout, alors attache la ceinture. Sanata, dis-moi pourquoi. Parce que ton fiancé prince a une relation intime avec Fanta. C'est pas possible. Non, non, non. C'est la vérité, crois-moi. Je les ai vus de mes propres yeux. Après tout ce que j'ai fait pour Fanta? Non, mais pourquoi elle réagit comme ça? Peut-être que c'est une façon de te remercier. Alice, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu sais, l'amour est une maladie que le médecin ne peut soigner. Sanata, tu me connais, non? Mais bien sûr, je te tu connais. Tu me connais. Très bien même. Si le médecin ne peut pas les soigner, moi, Alice, j'ai un médicament efficace pour ces deux rigolos. Ça sera mieux. Atelier Dura. Attends. Comment ça? C'est bon, j'ai le médicament. Hey. C'est pas possible. Bon Dieu. Aïcha, je te cherchais. Hé, pitié de moi. Monsieur Kandji, et le petit film, vous l'avez aimé? Aie pitié de moi, mademoiselle. Aie pitié de moi. Donne-moi seulement l'original de cette cassette et je vous promets de faire tout ce que vous voudriez. Ça, c'est hors de question. Je remettrai une copie à la police et une à la direction de l'école. Aïcha, tu m'as tué. Épargne-moi ça. Aie pitié de moi, Aïcha. Avez-vous épargné les nombreux élèves qui voulaient seulement étudier en paix? Aïcha, tu es si sévère avec moi. Ne cherchez pas loin, parce que vous avez été sans pitié avec vos victimes. Vous payerez pour toutes celles qui vous ont résisté et que vous avez brisé avec des mauvaises notes. Donne-moi seulement l'original de cette cassette et je te promets de ne plus toucher à aucune fille de cette école. Avec votre aveu, vous serez radié. Radié de la liste des enseignants. Aie pitié, Aïcha. Vous ne servirez plus dans cette école. Aie pitié. Pense à ma femme et à mes enfants. Ça, c'est le médecin appelé la mort. Vous devriez penser à eux avant. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Thank you.
Julia. Ma princesse. Ça va? Oui, ça va. Eh, mais ne m'appelle pas Costrade. Oui. Où tu étais, Fifi? C'est Fifi. J'étais là. Ça fait longtemps. Ah oui? Le pays est sur le répondeur. Wallahi, tu n'es rien comme ça. Chef! Faites-le monter. Vite. Vous savez bien que le raccourage est interdit. Alors. C'est surtout sa co-épouse qu'il faut craindre. Elle est méchante et agressive en même temps. Ça m'a couru au flananta là. Ah bon? Si tu aimes le charbon, tu es obligé d'accepter la fumée. Koro, bonjour. Je suis de passage, je suis venue te dire bonjour. S'il ne tenait qu'à moi. Je me passerai de tes visites. Hé, hey, hé, assieds-toi. Approche-toi. Hé. Hey. Je vous écoute. Je t'amène ma sœur. Mais elle ne sait pas ce que nous lit. Je lui ai tout simplement expliqué que tu cherches une autre femme pour ton mari. Comment tu t'appelles? Yaï. Mais j'ai trouvé étrange qu'une femme cherche une autre épouse pour son mari. Si la femme a le pressentiment que son mari veut prendre une autre femme, autant lui chercher quelqu'un de bien et avec qui elle va s'entendre. N'est-ce pas, Koro? Bon, j'en ai parlé avec mon mari. Il ne voit pas d'objection. D'accord. De toute façon, la belle est toujours dans ton camp. On va partir. D'accord. On compte sur toi. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour. Koro, comment vas-tu? Ça va. Je vois que tu as de la visite là. Ah oui, c'est Tenemba et sa sœur Yaï. Ah bon? Ladji, regarde-les bien. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial pour que je redouble d'attention? Vous allez bien, mesdames? Ça va. Ça va? Ça va bien. Monsieur les enfants, ça marche? Ok. Bon, alors donc je vous laisse. Ah non, reste plus tôt. Ah bon? Elle partait. Nous partons. Ah ok, d'accord. Yaï. Dis au revoir à Ladji. Bon, vous êtes des amis de Koro. Oui. Si je ne vous embrasse pas, elle va penser que j'ai perdu ma galanterie légendaire. D'accord. Allez. Allez. Au revoir. Bon, Yaï. Oui. Allez. Ladji. Ladji. Et Ladji. Oui, oui. Ça fout, là. C'est elle. C'est là, j'ai là. C'est là, j'ai un formidable. Hein? Penses-tu que cette Koro soit sincère? Elle désire une épouse. L'avenir nous dira si elle l'est ou pas. Je souhaite de tout mon cœur qu'elle le soit. Hein? Celle-là, il m'a beaucoup impressionnée avec son sourire et surtout sa gentillesse. Ma sœur, ne me dis pas que c'est un coup de foudre. Mais c'est cette Mariam qui m'inquiète un peu. Pourquoi?
la deuxième, si tu es la quatrième, où est le problème? Il n'y a aucun problème. C'est elle qui, elle? Ta quatrième épouse? Enfin, celle que tu épouseras bientôt. Koro, dis-moi, honnêtement et sincèrement, est-ce que tu es normal? Oui. Non, tu sors du réseau. Wallahi. Pourquoi tiens-tu à ce que je prenne une quatrième femme? Parce que je le souhaite. Heureux sont les hommes qui comblent les désirs de leurs épouses, mon cher. Oui. Leurs récompenses sont sans limite dans l'intimité. Très bien. Laisse-moi te dire aussi, ma chérie, heureuses sont les épouses qui connaissent les limites matérielles et surtout physiques de leur mari. Elles connaîtront la joie du devoir bien accompli. Ladji. Oui. Ladji. Ah, Ladji. Hein? Mais comment tu peux manger la souris et laisser la queue? Ah bon? Donc maintenant, je suis un mangeur de souris? Non, j'ai pas dit ça. Ah, mais si, tu viens de faire... Alors, tu viens de faire de moi un sourivore. Excuse-moi. Ah bon? Écoute-moi. Ah. Tu as trois épouses. Oui. Donc, il faut compléter en quatre, comme tout bon musulman. Ah, je ne suis pas bon musulman. Bita Oya. Ah, oui, oui. Ah, quand même, tu l'as embrassé. Ah. Ouais, bon, d'accord. Mais tu sais, on ne peut pas acheter un cheval sans le voir au galop. Ah. Ah. Si tu veux voir ce cheval galoper, épouse-le. Ah. Bon, d'accord. C'est ça. Allez. Sanata, ça va? Ça va, Fanta. Mais tu n'es pas en forme, là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont très sournois aujourd'hui. Hein? Comment cela? Fanta, il devient de plus en plus difficile de faire confiance à quelqu'un. Hé, hey, pourquoi une telle réflexion, Sanata? Mais parce que tu dragues Prince. Hey, Sanata, où est ton problème? Je n'ai aucun problème. Alice t'a rendu beaucoup de services. Tu devrais être correcte avec elle. Mmh. Au lieu de faire l'avocat du diable, dis-moi, quels sont ses services? Fisri Wale, Fisri Fassara. Pour toi, Fanta, je comprends que l'ingratitude est une vertu. Hé, hey, Sanata, écoute-moi bien. Je ne te permettrai jamais de m'insulter. Yamea, tu n'es ni le père ni la mère d'Alice. Alors laisse-moi respirer, Nafigi. Mouroumouroubali Taïdien, si tout sentiment de honte t'abandonne, tu peux agir comme bon te semble. Et tu trouveras Alice sur ton chemin. Occupe-toi plutôt de tes oignons. Yamea, Nafigi Moussokorobilale, Djahili, Escorot. Sont tes parents? Mes parents sont au village. Je suis servante chez Ladji Sako. Ma soeur, tu es servante et tu te retrouves à faire le trottoir la nuit. Est-ce que tu réalises les conséquences et les dangers de ton comportement? Monsieur, s'il vous plaît, je ne recommencerai plus encore. Laissez-moi partir. Tes parents t'ont fait confiance pour que tu cherches ton trousseau de mariage. Et pourquoi agis-tu ainsi? Tu peux contracter des maladies sexuellement transmissibles ou attraper le sida et en mourir. Bon, de toute façon, tu peux partir. Si je t'arrête la prochaine fois, alors... tu resteras ici pour longtemps.
Compris? Oui. Ah bon, d'accord. Donne-moi ta main. Non, ton index. Quel accoutrement? Pourquoi t'habilles-tu ainsi? Hier, c'était la fête annuelle des ressortissants de notre village. C'est le comble. Ne vois-tu pas que ces habits-là ne te vont pas? Et pourtant, tous ceux qui l'ont vu l'ont bien apprécié. Kodisade, wallahi, ça ne m'étonne pas. Vous êtes tous des villageois ignorants. Tiens, là, au pays des aveugles, le borne est roi. Va m'enlever ça! Il y a un baraque. Coin, coin, coin. Toi, Alice. Pourquoi tu me fuis? Cela fait deux jours que je cherche à te voir. Mais mon amour, je te fuis pas. Je suis très prêt au service. Nous venons d'arrêter les voleurs en série de Troukabougou. Cela n'explique pas ton refus de me voir. Alice, sache que l'amour que j'ai pour toi est très sincère. En tout cas, il est bizarre ta manière de montrer ton soi-disant amour sincère. Et regarde-moi les yeux dans les yeux. Pourquoi tu me trompes? Tu es policier. Ta diversion ne marchera pas cette fois-ci avec moi. Dis-moi plutôt pourquoi tu me trompes. Alice, rappelle-toi nos promesses d'amour et nos projets d'avenir. Pourquoi tu es allée voir ce vieux con? Prince, la confiance renforce et nourrit l'amour. Sans elle, l'amour meurt. Regarde-moi. Crois-tu que je suis une femme pour un vieux? Ah non, je n'en doute pas. En amour, nous récoltons ce que nous sémons. J'ai la preuve concrète que tu me trompes avec Fanta. Alice, quelle preuve tu as contre moi? J'ai vu Fanta dans ta voiture et Sanata vous a surpris à l'espace Bouna. Si ton amour est fort, fais-moi confiance. Ça sera très difficile de me faire comprendre qu'il n'y a rien entre Fanta et toi. Mais puisque je t'ai dit que nous ne sommes pas ensemble, tu peux me faire confiance un peu? Comme Odedo, désormais, je te surveillerai pas à pas. Ça sera ton pied, mon pied. Alice, mieux vaut être avec toi que contre toi. Alice, je t'aime, je t'adore. Allons, on y va. Tiens, Kia, l'argent de la tontine. Merci. Kia, je t'assure que la jalousie excessive de ce goût est une maladie. Et pourtant, il court toujours après les belles dames. C'est un véritable don Juan. Mais un jour, je vais lui donner une bonne leçon dont il se souviendra longtemps. Ce sera bien fait pour lui. Marie, je m'en vais. Eh, déjà? J'ai un rendez-vous urgent. Et dis plutôt que tu pars admirer le visage de Sori, ton fiancé. Tu as un double flèche là, ça. Je te connais. Thank you.
Kia, hein? Je te laisse ici. Hé, hey, Kelly. Sekou est très jaloux. Hé, hey. Quand on part du loup, on voit sa queue. Le voilà venir. Je m'en vais. Atayorokoé. Tu as raison, j'ai une idée. C'est quoi ça? Marie? Ah, doucement. Ah, Siri. C'est bon. Approche-moi. Ah, mon amour. Ah, ah chérie. C'est bon. Doucement. Doucement, chérie. Ah, c'est bon. Ah, mon amour. Approche-toi. Ah, ah, mon amour. Plus fort que ça. Je t'aime. Ah, mon amour. Eh, hey, Marie. Marie, tu m'as tué. Marie, tu m'as tué. Eh, hey, Marie. Vas-y. Oh, Marie. Ah, ouvre-moi la porte. Ouvre. Ouvre ou je casse. Amour. Ouvre, Marie. Vas-y. Au voleur. À l'assassin. Ouvre, je casse. Au voleur. Au voleur. Mais il est là avec ma femme dans ma chambre. Mais que fait ta femme avec un voleur là-dedans? Ouvre-moi ou je casse. Ouvre la porte ou je casse. Marie. Hé, hey Marie, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Mais il n'y a personne. Où l'as-tu caché? Sekou n'est pas normal. Allez à vos occupations. Sekou, avec les femmes, réfléchis toujours avant d'agir. Allons-y. Pourquoi m'as-tu fait ça? Si tu ne cesses pas, tu vas me tuer, hein? Ibn Nidjurut Kéa. Hein? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Tu crois que tout le monde est comme toi? Le jour où je t'ai surpris avec cette Kadia, aurais-tu aimé que je te traite ainsi? Tu sais que toute femme qui m'aime ira au paradis. Ah, tu as chanté une très belle chanson ici, mais tu sais que beaucoup d'hommes ne respectent pas les femmes, hein? Moi parce pas. Parce que mentir à une femme, ce n'est vraiment pas du tout la respecter. Je ne te mentirai jamais, Kadia. Ah. Tout sauf mentir. Depuis que je suis né, je n'ai jamais menti à une femme. Mmh. Je te le jure. Ah, oui. Pas à toi surtout. Surtout à toi. Hé, hey, Sekou, tu es en bonne compagnie. Sekou, je vois bien le dossier que tu devais étudier avec ton patron. C'est vraiment un bon dossier. Un dossier en chair et en os. Coucou, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Alors c'est quoi? Devais satisfaire ton désir d'être sous hey, moi. Mais vous êtes fous là. Mais, je vais la faire. Mais, je vais la mon amour. Coucou, mais qu'est-ce que je te dis? Mais laissez-la, non. Kadi, regarde-moi. C'est parce que tu m'as vu avec Kadia que tu réagis ainsi. Tu vas récolter les conséquences de ce que tu viens de me faire. Quelles conséquences? Ne cache pas ta honte avec des menaces. Marie, je te promets quelque chose. Kadia sera ta co-épouse. Si je ne le fais pas, je me suiciderai. Tanti Kuro. Moi, j'allais devenir millionnaire. Oui. Lors de la dernière course, j'ai pu classer les chevaux, tous les trois chevaux là dans l'ordre. Il me restait qu'un seul cheval pour avoir des millions. Des millions. Voilà. En jouant. Oui. Dis-moi, Soussoulé. Oui. Tu ne peux pas cesser avec les chevaux. Cesser les chevaux, hein? Tu sais ce que je recherche dans ma vie? Les quatre vérités. 4 V. Quoi? Villa, virement bancaire, verger et voiture. Soulé, tout ça en jouant. Oui. La prochaine fois. Ouais. Soulé. Oui, maman. Soulé, mon fils. Oui. Sais-tu que l'on ne doit jamais se fier aux apparences? Mais pourquoi dis-tu cela, maman? Parce que si tu cohabites avec une vipère, tôt ou tard, elle te mordra. Je ne cohabite pas avec une vipère? Depuis à bas âge, je t'ai toujours dit de discerner tes amis de tes ennemis. Oui, je sais bien le faire et je l'ai toujours fait, maman. Allons, fille, tu mens.
Je sais pourquoi tu échoues maintenant dans tes entreprises. Donc ça, oui. Ah oui, maman, cela m'intéresse beaucoup. Dis-moi pourquoi j'échoue dans mes entreprises. Soule, ne te fatigue pas. C'est moi qu'elle cherche. Ne te fatigue pas. Mais trois fois, je n'ai pas dit ton nom. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas dire mon nom, Mariam. Toi, ton nom, c'est quoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été lavée avec l'eau du canari sacré dans ma famille pour que les gens comme toi ne puissent prononcer mon nom. Qu'est-ce que je disais? Elle vient de l'avouer publiquement qu'elle est une sorcière. Mmh. Pourquoi tu prends du thé avec une sorcière? Maman, c'est Tanti Kourou, ce n'est pas une sorcière. C'est Tanti Kourou. Tanti Kourou. Ndé, Missi Denti Djaradon, Gabakoro Bado Warai. Ni Beni Kashuya Digrido. Atite Mignon Fer. Je sais de quoi je parle. En tout cas, tout le monde connaît la sorcière dans cette maison. Celle qui fait la navette entre les féticheurs et les marabouts, c'est bien toi, Mariam. Maman, cette discussion ne sert à rien. Tanti Kourou, arrêtez s'il vous plaît. Si je fais la navette entre les marabouts et les féticheurs, c'est pour contrer les sorcières lavées avec l'eau des canaris sacrés qui cherchent à envoûter les membres de cette famille. Oh. Si je veux t'envoûter, Mariam, si moi je veux t'envoûter, c'est l'affaire de quelques secondes, wallahi. Ha, tu entends? Il y a Mede, l'aveu de la sorcière, tu entends? Qu'est-ce qu'il a de Dalibia? Maman! Uri, qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour me donner un fils qui me lie pieds et mains, pour me livrer à mes ennemis? Souley, ton vrai ennemi est ta propre mère. Notre pigeon est là. Tiens. Le marabout là, hein? C'est le meilleur du pays. Moi qui sais qu'il est flido, mon cher, il te dit qu'il fait des miracles. Vraiment, il est fort. Et Meni Rekao, maintenant tu le sais. Au début, tu avais des doutes. Hein? Je te dis que moi, je partais directement en prison. En deux jours, il a définitivement enterré mon accusation. Okoni, ne t'inquiète plus pour ça. Il a définitivement résolu ton problème. Il n'est pas gourmand. Oui. Il est efficace et discret. C'est un marabout fort recommandable. Hey. C'est pourquoi il est très très sollicité. Il a une invitation d'un prince saoudien. Il ira bientôt à Jeddah. Ah, oui. Serre-toi à boire et à manger. Okay. Je reviens dans un instant. D'accord. Ne tarde pas. Hein. Bonjour mon frère. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, ça va. Excusez-moi, hein, j'ai entendu votre conversation. Pouvez-vous me conduire chez ce marabout? Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, qui êtes-vous? Moi? J'ai un problème urgent à régler. J'ai besoin de ce marabout. Avec un tel argument, vous êtes vraiment concret. Mais attention, j'aime le travail rapide et efficace. S'il vous plaît, amenez-moi chez lui. Le bon Dieu est avec toi. Je t'y conduirai. Mais avant, laisse-moi faire deux appels téléphoniques. Ok. Moi, c'est Baba Koumaré. Et vous? Moi, c'est Jean Bosco. Allô, c'est Maud le caméléon. Oui, c'est Jean. Tu sais, le poisson a mordu à la maison. Alors, tu vas directement au service, quoi. Oui, à tout à l'heure.
Allô? Ah, c'est toi Jean? Oui. On vient de converser un peu avec le DG Koumari. Le plan a marché? Oui, il est tombé dans le piège. Donc il faut prendre les dispositions qui s'imposent. D'accord. Eh bien, je prendrai des dispositions. Je serai à toi dans 30 minutes. À bientôt. Monsieur Koumari, oui. On peut y aller. Ok, pas de soucis. Mais juste laissez-moi le temps de récupérer mes affaires. Oh, il n'y a pas de problème. Okay. Allez-y. J'espère que ça ne dérange pas. Pas du tout. On peut y aller. Ah, on y va. C'est pas très loin. J'ai trouvé une solution à sa jalousie. Hein? Raconte-moi ça. Quand je l'ai entendu venir, j'ai commencé à dire. Oh mon amour, doucement, c'est bon. Bref, des mots que je lui dis quand nous sommes au lit. Hé Marie, tu es vraiment terrible. Il a cru que je faisais l'amour avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Hein? Il a frappé à la porte et a crié au voleur. Que s'est-il passé? Les gens ont accouru et ont découvert qu'il n'y avait personne à l'intérieur de la chambre. C'est cool. Il s'est vraiment ridiculisé. C'est bien fait pour lui. Et qu'a-t-il fait? Rien. Il m'a seulement menacé d'épouser Kadia, la fille avec laquelle nous nous sommes battus. Marie, ne prends jamais ce genre de menaces à la légère. Si tu surprends ton mari avec sa copine, il devient comme un lion blessé. Et il sera capable de tout. Tchéou. Et tchéou donc. Bonjour, mon amour. Kadi, pourquoi tu me fuis comme ça? Parce que je ne veux pas d'histoire et laisse-moi tranquille. Il n'y aura pas d'histoire, Kadi. Je veux tout simplement que tu saches la vérité. Ah bon? Et quelle vérité? Que tu m'as menti? Tu sais que toute femme qui m'aime ira au paradis. Ah, tu as chanté une très belle chanson ici, mais tu sais que beaucoup d'hommes ne respectent pas les femmes, hein? Moi, pas. Parce que mentir à une femme... Ce n'est vraiment pas du tout la respecter. Je ne te mentirai jamais, Kadi. Ah. Tout sauf mentir. Depuis que je suis né, je n'ai jamais menti à une femme. Mmh. Je te le jure. Pas à toi, surtout. Surtout à toi. Deviens satisfait ton désir d'être... Mais vous êtes fou, là. Je vais la mon amour. Poupou, mais qu'est-ce qu'il te dit? Mais laissez-la, non. S'il te plaît. Kadi, regarde-moi. Que ta femme et sa copine ont déchiré mes habits, c'est ça? Mon amour, je te paierai d'autres habits plus beaux, crois-moi. Je n'en ai pas besoin. S'il te plaît, Sekou, laisse-moi tranquille. Kadi, pas avant de te dire que je suis sincère et que je t'aime. Tu te moques de moi? Me moquer? Attends, Kadi, tu sais, le cœur a sa raison que la raison ignore, sache-le. L'erreur est humaine. Mais persister dans l'erreur est diabolique. Et puis tes cours de poésie, garde-les pour toi. Je n'en ai pas besoin. Yado, donne-moi un jambelé. Kanyumambo yumana. Honneur aux femmes qui veillent sur la démographie du Mali. Aya wolo. Eh, non, ma wolo lique, on yuma kala outil la fiakoui. Ni nemuni doa. Aïe, nous m'yuma kala ou quoi de michi à gaclea. Ni de dama wandi ta sofio. Jalo ani jagite sinibe ngana ani sagare bari ko bugu turu ani bugu bo tugo tugo ni bari bari nyambo ni jage faraka tala ka ala ida do yale di faraka uda roso jere sama aiwa nena na d'accord kuro
Je suis à tes services du jour comme de nuit. Tu m'as demandé de venir, je suis venu aussi vite que possible. Balou, merci d'avoir répondu à mon appel. C'est gratuit. Balou, nous suivons tous notre destin. C'est gâteau là, wallahi. Le mien aujourd'hui est de trouver une quatrième épouse pour mon mari. Quoi? Une quatrième épouse pour mon mari. Donc tu veux être veuve maintenant? Non. Alors abandonne. Abandonne carrément cette idée. Contente-toi de jouir des avantages d'être la troisième et la dernière épouse de Ladji Sako. Deo, es-tu quel lacaria qu'on a ça? Balou, non. Je te comprends. Mais tu sais, souvent les circonstances font que nous prenons des décisions indépendantes de notre volonté. Tu comprends? Neko, dans tout cela, que pense Ladji Sako? Est-il d'accord? Bon, dans un premier temps, il était d'accord, mais ensuite, il a refusé. Alors, donc il faut abandonner l'idée. On ne peut pas raser la tête d'une personne en son absence. Ladji Sako est l'intéressé. S'il ne veut pas de femme, personne ne peut l'obliger. Balou, aide-moi enfin qu'il change sa décision. Qui? Moi? Oui. Et comment? Mais ça c'est le comble, Balou. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas là, Balou. Tu es forgeron. Fils et petit-fils de forgeron. L'homme des situations difficiles. Tu ne vas pas me dire que tu es incapable de changer la décision d'un homme qui est de surcroît ton ami. Ah non, Balou, non. Hein? Rassure-toi, Kuro, je suis Balou. Et je le resterai aussi longtemps que le sang des forgerons qui fait ma fierté coulera dans mes veines. Je vais lui en parler. D'accord. Balou, merci. Mais je savais que je pouvais compter sur toi. Je le savais. Tu peux compter sur moi, Kuro. Je ne vais jamais trahir les forgerons. Merci. Je m'acquitterai toujours de mes devoirs. Merci. Allah sabri sabri. Levita. D'accord. attends, Balou. Hein? Attends. Le transport. Mais ce n'est pas tous les jours que tu me payes comme Balou, ça. Balou, tiens, c'est pas grave, tiens. Ngamne. Oui. Oh, va chiter. Jaloudi. Ah. Ou qu'on m'a dit qu'on goûte l'argent. Et moi, il fait, mais c'est vraiment pas quoi. Aïe. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Bouroudé, c'est le Kenani. Ah, Allah. Ça, là. Ah. A quoi ni n'a pas articulé. Ça me permet de bien articuler. Merci pour tout. D'accord. Et à très bientôt. Ok, bye. Aïwa, il m'a faut qu'on a voté. Ouais. Aïwa, voilà mon gars, qu'on gâti. N'y a pas de doule, n'est pas là. C'est bon, au revoir. Monsieur Koumaré, c'est ici qu'il loge. C'est ici? Oui. Mais pourvu qu'il accepte de m'aider. Hein? Mais il n'y a pas de problème. Okay. Assalamu alaikum, Karamgo. Wa alaikum, salam. Jean. Et qu'est-ce que tu as? Alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, Jean. Bismillah. Merci. Bonjour, Karamgo. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bienvenue. Merci. Installez-vous, s'il vous plaît. Jean, ça va? Alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Grand Marabout, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour mon ami. Alhamdulillah. Nous venons de nous quitter à l'instant même. Il est très content du travail. Adjara et Koudougou. Dieu est miséricordieux. C'est lui seul qui détient le pouvoir de nous donner ce que nous recherchons. Eh oui. En tout cas, grâce à vous, il n'ira plus en prison. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dieu a mis M. Koumaré sur mon chemin. Il va vous expliquer son problème. Si vous pouvez l'aider, je serai très très content. J'en serai ravi. Grand Marabout. Non.
S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un problème très sérieux. Jean. Oui. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Mais je prépare un voyage sur Jeddah. Dis-lui de passer me voir à mon retour. Koumaré, as-tu entendu? Si vous ne m'aidez pas, j'irai en prison. S'il vous plaît, reconsidérez votre position. Jean. Oui. Dieu nous donne la connaissance et le savoir pour nous en servir et aider nos proches. Tchati. Inch'Allah, grâce à toi, je l'aiderai. Ah! Vraiment, grand marabout, je vous remercie pour cette marque de confiance. Demandez à Koumaré de m'apporter les dossiers et les preuves qu'ils font qu'il a peur. Ah, Koumaré, as-tu ce qu'il demande? Certains dossiers sont au service. Les plus compromettants à la maison ou sont détruits. D'ici 2 jours, je dois voyager. Mais en attendant, apporte-moi les dossiers. Dieu m'aide demain. Quand je vais toucher ces dossiers-là avec mon chapelet, Inch'Allah, tu auras satisfaction. Je vous apporterai les dossiers. Alhamdulillah. Maintenant, je vais vous libérer. Je dois retourner à ma prière. Koumaré, partons. De toutes les façons, tu connais la maison. Tu vas revenir dès que tu seras prêt. Je serai là demain à 10h, Inch'Allah. Demain à 10h. Je serai occupé. Hein. De toutes les façons, tu connais la maison. Dès que tu seras prêt, tu vas revenir. Hein? Tu vas lui expliquer ton problème pour qu'il t'aide efficacement. Jean, je ne sais pas comment te remercier. Oh non. Vraiment, merci. Allah kan tunu. Amina rabbi. Ay karam nga mestra ñini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ka ko no ya. Amina amina amina. Allah ka ko no ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ka se naw ñu may. Amina. Qui est? Devine. Pourquoi me touches-tu? Kaja, Dieu pardonne nos fautes si nous nous repentissons. Entre humains, nous devrons faire de même. J'ai fauté, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin du monde. Sekou, je t'ai pardonné pour ce que tu m'as fait. Mais sache que je n'oublierai jamais. Prouve-moi. Prouve-moi que tu m'as pardonné. Allez, fais-moi un sourire. Voilà. Je me demande ce que je serais sans toi. Il va m'attendre, celui-là. Marie. Calme-toi. Ne te presse pas. On va trouver une autre solution. Quelle solution? Vraiment, à Bamako, les amours ne meurent jamais. Faut carré qu'on a. Viens. Quoi ça, comme ça, on est sur Koflam zone sohoma kari go kumare sakoude marakaude maraka ganyene kolobere fode kari go kumare mare mu kumare yakade dure mu kumare kori toronte toronte sako balu amba comment vas-tu amba imbalatam ça va bien alhamdulillah kori bashite soui wallahi imbalatam tu vas très bien je rends grâce à Dieu alhamdulillah merci beaucoup sakoude isa mon cher ami ça va oui. Bon, on m'a dit que tu es passé après moi. Quoi de plus normal? Tu es un mauvais garçon. Alors, je n'aime pas que tu viennes souvent quand je m'absente. Non, mais toi... Ah non, je te connais là. Là, dis-toi aussi. Je suis un ami et tu sais combien je tiens à l'amitié. Absolument, absolument. Tu non, le sais. Non, je te chahute toi aussi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Que de bonnes choses. Alhamdulillah. Bama non ngote. Non. Ko meni me maye ko djugu ko ngodo nota nyo na bakil nek me ko non do ka. Ima meshila. Voilà. Ni mena shila babe ya. Ko djugu. Aywa eh ala safi sako. Sako tika. Je viens demander ta main pour une femme. Quoi?
Non. Mais Balo, tu demandes tellement les mains des femmes que maintenant tu viens demander les mains de ceux qui t'envoient demander les mains. C'est la déformation professionnelle, mon cher ami. Tchakodé, ah. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis au sérieux. Et Koro, ta femme te demande de prendre une quatrième épouse. Balo, je ne sais pas ce que Koro a. Mais pourquoi elle fait cela? Je me demande si elle m'aime encore. Ah non, sur ça, je peux le jurer, Koro t'aime à mourir. Mais seulement, tu le sais bien, les femmes ont des secrets impénétrables. Balo, je ne sais pas le secret que cache le désir de Koro de me faire prendre une quatrième épouse. Dieu seul le sait. Mais seulement, trouve une solution pour la satisfaire. Mais quelle solution? Balo, je ne t'apprends rien. Tu sais combien il est difficile de satisfaire une seule femme. Imagine donc quatre femmes, chacune me réclamant son confort et surtout son plaisir. Ah non, Ladisako, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tu avais 6 ans. Qui t'a forcé à prendre Mariam? Et qui t'a forcé à prendre Koro? Il est dans la Negetewa. Et on a toujours dit que si tes amis ne te disent pas la vérité, paye tes ennemis pour qu'ils te le disent. Alors, ne me sors pas de théories bidons sur leur confort et leur plaisir. S'il y en a pour 3 épouses, il y en aura toujours pour 4, mon ami. Mon gars, ça va pas être facile. Ah, ah si ça va pas, je t'appelle souvent pour me supplier. Hein. Ah, aïe, il a bien couvert la faute. Bon, allez, tiens, mon cher ami. Ah, bah, je t'ai. Oh, n'y a qu'on va aller, ça. Ah, donc tu veux. Non. Ah. Ouais, non, ça, c'est pour ton apologie, quoi. Ah, bon, d'accord, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle 2 fois tais-toi. Bon, allez, bon, nous. Hey, il est là, hein, il garde la voiture. Déjà? Oui. Bon, on va lui réserver un accueil digne de son rang. Ok. Tu filmes toute la scène. D'accord? Ok, tout de suite. Bien. Entrez. Bonjour, grand marabout. Ah, monsieur Koumaré. Comment allez-vous? Vous êtes vraiment ponctuel. Ça va? Installez-vous. Merci. Et la famille? La famille, ça va très bien. Et chez toi-même? Oh, ça va, plus ou moins. Plus ou moins? Ouais. Approchez-vous. Et montrez-moi le dossier le plus compromettant. J'ai tout dans le sac. Ça, c'est le premier dossier. Montrez-moi tous les dossiers, surtout le plus compromettant. Ça, c'est la surfacturation. Mais qu'est-ce que c'est que la surfacturation? Alors, tous les produits que je paye pour le service, je double. Ah bon? Ou je triple même le prix. Hein. Vous triplez? Je dis bien le prix réel de l'objet sur le marché. Je ne suis pas seul. Ah bon? Des commerçants. Et des collègues m'aident. Collègues aussi? Oui. Déposez le dossier. Dieu soit loué. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Combien de francs as-tu détourné? Le montant réel n'est pas connu, mais moi, personnellement, je l'estime à plus de 20 millions de francs CFA.
20 millions de francs CFA? Oui. Dieu, pardonne-lui le vol de ces 20 millions qu'il vient d'avouer. Le deuxième dossier? Le deuxième dossier? Oui, le deuxième dossier. On est en train de filmer la scène? C'est la police. La police? Et vous êtes en état d'arrestation. Moi? Vous ne pouvez pas m'arrêter. Nul n'est au-dessus de la loi. Et vous êtes en état d'arrestation. Moi? Vous. Pas de minotes. Pas de minotes. S'il vous plaît, ne soyez pas ridicule. Moi, je ne suis pas un vulgaire voleur. Avant tout, je suis un haut cadre de ce pays. Ali Mouromi, T.E. au Tisraléminé. Vous pensez que c'est quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Arrangeons la situation. Trouvons un terrain d'entente. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Hé, hey, amène-le. Mais, Ladji. Oui? Manga mandignede. Tu sais bien que ce n'est pas mon tour. Quel manquant? Pourquoi? Mais pour s'occuper de son mari, il n'y a pas question de tour, là. Ali, assieds-toi. Comment? Quelles sont ces histoires tour? Tour de quoi? 45 tours ou 33 tours? Alors, c'est... Ladji. Oui? Mets tes pieds dans cette bassine. Voilà. Oh. Oh là. Qu'est-ce que ça fait du bien. N'est-ce pas, hein? Mais je te dis... L'eau chaude salée te soulagera de ta fatigue. Tu sais, si une femme soumise et obéissante doit entrer au paradis, wallahi, bilahi, tu seras parmi les anges du Seigneur. Hey. Ça c'est quoi ça? Et d'où viens-tu comme ça? Tu ne salues même pas? Ladji, attends-moi. Je reviens dans un instant. Mais tu as vu ça? Ladji, je t'avais averti. Tu as vu les yeux de ta femme? J'ai cru un instant qu'elle tombera en syncope, tellement ses yeux lançaient des éclairs de jalousie et de colère. Hey! Ne t'inquiète même pas, il n'y a pas deux commandements dans un bateau. Je t'ai dit de laver les pieds. Tu l'as fait. Je suis le seul et demeure le seul chef de cette famille. Voilà. Qui est le chef ici? Mais Mariam, pourquoi cette question? Il n'y a pas deux chefs ici. Je suis le seul chef de la famille Sako. Le chef se comporte en chef, n'est-ce pas, Koro? Bon, mon chéri, oui? J'ai fini. Très bien. Merci beaucoup. Quand le propriétaire de la chose apparaît, le voleur se sauve. Mariam, qui est ta chose? Moi, je suis Ladji Sako. Je ne suis la chose de personne. Ladji, détrompe-toi. Tu m'appartiens corps et âme. Ton corps m'appartient. Ah bon? Ce que tu bois et ce que tu manges m'appartiennent. Ah. Même l'air que tu respires m'appartient. Allah Sako Yisabou. Donc, mon présent et mon avenir aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais Mariam, tu ne penses pas que tu y vas un peu fort? Pas du tout. Rappelle-toi, nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire. Tu dois savoir qu'en polygamie, chaque épouse a son tour. Aujourd'hui, c'est le mien. Et pourquoi donnes-tu tes pieds à une autre personne pour les laver? Mariam, je donne mes pieds à laver à qui je veux, là. Mon tour. Tu n'as que ce mot à la bouche. Où étais-tu? Tu étais présente? Hein? Alors sache que qui va à la chasse perd sa place. C'est parce que je suis partie à la chasse que vous me faites un coup d'état conjugal? Ladji, ne te fais pas d'illusions. Personne ne peut prendre ma place ici. Donc, amène tes pieds. Et pourquoi faire? Mais si c'est pour les laver, c'est déjà fait, là.
Oui. La diète est calama. Il y a lavé et lavé proprement. Ah. Quand je finis avec toi, toutes les saletés que tu as ramassées avec ton pied, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, disparaîtront à jamais. Oubidia de peu, c'est un petit nom. Nadi, amène tes pieds. Non, je crois que Mariam, je t'ai dit que c'est déjà terminé. C'est fini là. Si tu ne veux pas d'histoire, amène tes pieds. C'est même ben une quoi, il faut qu'à toi, toi. Mais Mariam, je ne veux pas d'histoire, c'est toi qui crée des problèmes. Je te dis qu'on ne lave pas mes pieds, c'est déjà fait. Nadi. Ah, où est ton problème? Hein? On ne les lave plus. Non, c'est fini. Voilà, il a dit. Si tu ne donnes pas tes pieds à laver, l'eau que tu vas là, si je ne verse pas ça sur toi, Ladji, crache sur moi et sur toutes les personnes qui portent le nom de Mariam. Hey, tu sais que mes djinns n'aiment pas qu'on me verse de l'eau sur la tête. Hey. Donc, amène tes pieds. Non, d'accord. Non, attends, après toi, je vais faire ça et puis, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, tu sais, tu t'arrangeras pour avoir quelqu'un d'autre pour lui laver les pieds. Moi, je suis parti. Un commandant qui abandonne son bâton en pleine tempête. Et Obila Kalitogo Dumena. Ah, Ngani, Kabako, où est ça? Eh, Koro, assois-toi sur cette chaise. Pour quoi faire? Eh, pour laver tes pieds? Hé! Hey. Mariam, ça va? Très bien. Hé, hey, je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas Ladji Sakho. Si tu ne le sais pas encore, il vient de sortir. Kourou, si tu ne veux pas d'histoire, assieds-toi et donne tes pieds. Sinon, ça va chauffer. Nényenaya, ça ne chauffera pas devant non, moi. Non, ma kéki, t'as dit tout. Qui dit que Jackman n'est pas Ouara? Et maintenant, qui commande ici? Ne Mariam Diakité, ni ne Kokou, ni Mio Kobanangouya, tu vas ailleurs.